20 von Leute hier. Da. Et des salles immenses où les caissons dorés renvoient l'écho de nouvelles fantaisies. Des artisans, des peintres et des tapissiers, des joueurs de pibole, des sabots à musique, un vent nouveau venu du sud qui balaie les vents de Galerne, des portes qui s'ouvrent largement sur des plafonds à fresques, la chaleur des briques du soir, le souffle des bergers en fête qui s'appellent de colline en colline avec la corne de bœuf, Jacques le Veilleur qui annonce la grande nouvelle.
reste le temps de renverser le baricot pour faire couler le vin nouveau qui fait oublier la sueur sur les fronts moites. Il est tard. Les années passent. Et... Embusqué dans ces chemins creux et formant le faisceau de tous les héroïsmes, la Vendée se refuse, se redresse, s'embrase et puis s'élance. Chaque métairie donne un soldat, chaque logis donne un chef, chaque homme debout est un croisé, chaque homme à terre.
des Ardennes. Écoute les cloches qui reviennent. Le général de Nâtre. Un Vendéen, comme Clémenceau. Victoire, petite fille des Ardennes, petite fille vendéenne. J'écris ton nom. Je ne suis jamais revenu.